quelque chose ne tourne pas rond sur Terre, le STAR, Service Transeuropéen d'Action et de Renseignement, déclenche alors le signal SOS Croco. Lac de Genève, Suisse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Désert des Aztèques, garage des crocos. Alors tu viens ? Non, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de laisser notre garage vide avec notre système de sécurité en panne. Mais t'avais qu'à le réparer ! Allez, viens pour une fois qu'on peut s'amuser ! Allez-y sans moi, je garde notre base. Bon, écoute, mais qu'est-ce que tu veux qui arrive ? On rentrera pas trop tard, c'est promis ! Bon, c'est d'accord, allons-y à cette fête du village, n'empêche que ce n'est pas raisonnable. Mais voyons, c'est pas vrai, c'est faux. Si vous croyez que c'est le moment de vous disputer, vite, vite. Y'a pas un instant à perdre, ces derniers crocos ne vont pas tarder à revenir. Regardez, ça doit être par là. Dommage que nous manquions de temps. Toutes ces installations me semblent passionnantes. Mais vite, à la crocosaure. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Mais ça n'est pas la sortie. Excusez-moi, docteur. J'ai dû me tromper quand il est... Ça, il fallait pas tourner à gauche. Fais demi-tour, imbécile. Comme c'est drôle. Je voudrais voir la tête des crocos. Quelle fête géniale. Ce dog était super délicieux. Peut-être un petit peu petit. Tu en as avalé 50. Vous ne me retirerez pas de l'idée que c'était de la folie. Regardez ça. Vite, à l'abri secret. Ah, yeah. Oh, je l'avais dit.
C'était votre... non, ma faute. Je suis chef. Oh, ça, c'est un coup de crayon. Je me demande ce qu'il va faire avec la crocosaur. Entre ses mains, notre engin peut devenir une arme très dangereuse. Ce match-là, une attaque surprise ou un entraînement? Je l'ignore, bon, je dérape. Non, mais regardez-moi ça, il aura fini. Allez, cher Doc, plus vite, toujours plus vite. Négatif, bon, général. Oh, scrutez du regard, c'est votre radar, non de nom. Bon, général, mon radar n'a rien détecté. Quel plaisir, ça me rappelle le bon vieux temps. Ville inconnue, quartier général du Star. Cette histoire. Agent Johnny, en tant que chef de la section SOS Croco, je vous semble de vous expliquer... Sir McMonk, tout est ma faute. Et d'ailleurs, je vous remets ma démission, ainsi que celle de mon équipe. Comment? Mais je la refuse. Ce que je veux, c'est que vous retrouviez la crocosaure. De plus, la crocosaure n'est pas votre propriété, mais celle du Star. Oh, je sais, Miss Jeannette. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on discute de tout ça tranquillement en grignotant un petit quelque chose au snack. Pas du tout. On retrouve Crane et on lui fait avaler la crocosaure. Oh, ce n'est trop. Miss Janet, je dois partir à un match de water polo avec Lady Magmont. Les crocos, vous avez jusqu'à demain soir minuit pour découvrir où se cachent Crane et la crocodile. Et pas une minute de plus. Oh, rendez-vous donc demain à minuit avec la crocodile ici même. Pas un excès de vitesse aujourd'hui, Ping. T'as raison, Pong, c'est dingue. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, je ne sais pas, il n'y a rien sur mon radar. Ah, est-ce que je peux m'amuser, c'est fou. Vous avez été dur avec nous pendant la réunion. Avec Sir McMonk, mais j'y étais obligée. C'est normal, Miss Janet. J'aurais fait la même chose à votre place. Service, service. Tout ça a un rapport avec le toxir. J'en suis certain, mais lequel? Allons au fichier central. J'ai un petit creux. Ça vous contrarierait pas si on passe à la cafétéria? On n'a pas le temps, mon vieux. C'est ça qui doit intéresser Crane. Le toxir, oui, je connais. C'est ce métal invisible pour tous les radars de la planète. Toxir, T-O-X-I-R. Qu'est-ce que le fichier a là-dessus? Il me faut un code d'accès rouge. Je pense qu'en tant qu'agent spécial, vous devez en avoir un, Johnny. Bien sûr, laissez-moi faire. Voyons, voyons, Aluminus bouillie, cobalt surchauffé à 44 degrés et du potassium. Une bonne catalyse par là-dessus. Oui, je crois que j'y suis arrivé. Le toxir est né. Oh, c'est extraordinaire, Docteur Crane. Votre invention n'est repérable par aucun radar. Regardez, mon antenne ne voit rien.
J'y suis arrivé. Cette invention va me rapporter des milliards. Nous allons appeler cette merveille le Toxir. Les avions, les bateaux, les fusées, plus rien ne sera repérable par les radars. Vite, vite, allons montrer cette invention à Sir Blackmore. Hey, Docteur Crane, qu'est-il arrivé à votre bec? Je monte chez Sir McMonk. Il va me nommer chef de tous les agents secrets. Mais c'est impossible, voyons. Sir McMonk est dans la salle du Grand Conseil. Quelle importance pour un génie comme moi. Honorable sage, la séance peut commencer. Réunissons les sept perles du savoir. Messieurs, je vous écoute. Kin Grafila, Maridanum Pinor. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je... Bonjour, bonjour à tous. Regardez ma découverte, Sir McMonk. Agent Crane. Docteur Crane, désormais, Sir McMonk. Nous sommes en réunion, je vous demande de sortir. Kin Grafila, Maridanum Pinor. Mais vous ne comprenez donc jamais rien. Regardez. J'ai inventé un métal inconnu, le Toxir, invisible pour les radars. Il faut absolument vendre cette invention à des puissances étrangères. Nous partagerons l'or. Soyons complices, maintenant. Mais qu'avez-vous fait à votre bec? Regardez avec mon bec en Toxir. Aucun radar ne peut me repérer. Je pourrais m'introduire n'importe où. Nous allons être riches. D'ailleurs, tant que nous y sommes, vendons les sept perles du savoir. Non, Der Sapajou, agent Crane, vous êtes renvoyé. J'exige sur les champs votre plaque de service et vos cartes secrètes, ainsi que sa ridicule pétale. Vous le regretterez, je me vengerai. Chimafilo! Soyez maudits, vous, vos stupides sages et vos ridicules perles du savoir. C'était donc ça. C'est Crane qui a inventé le Toxir. Et si je comprends bien, il n'a pas eu le temps de recopier sa formule. C'est pour ça qu'il a volé la crocosaure. Je vais lui faire avaler son bec, moi ça va pas être long. C'est bien gentil tout ça, mais quand est-ce qu'on déjeune? Il n'est presque midi. Espace extra-atmosphérique, domaine spatial du Star. Crocosaure sans croco a vraiment beaucoup de vertus que je peux m'amuser, oh, c'est fou. Ah oui, Dr. Crane, vous avez vraiment comme toujours des idées brillantes. C'est sûr et certain pour une idée brillante, c'est vraiment une idée brillante. Oui, je sais. Tu ne peux pas arrêter de répéter tout ce que dit, serpent de malheur. C'est toi, lamentable lézard. Un peu de silence, mes jolis, j'ai besoin de me concentrer. Sans satellite, les membres du Star vont avoir beaucoup de mal à communiquer. Oui, mais j'ai encore mieux à faire. Qu'est-ce qui se passe? Le satellite du réseau NetStar a été détruit. C'est incroyable que notre système de surveillance n'ait rien détecté. C'est encore un coup de Crane. C'est sûr, avec la crocosaure, personne ne peut le repérer. Pourtant, il doit bien y avoir une solution. Oui, mais laquelle? Je crois que j'ai une idée. Rentrons au garage. Ici, les ordinateurs ne peuvent plus rien pour nous. Je viens avec vous. Ainsi, nous pourrons utiliser votre système de secours. Y'a pas à dire. Ça fond, ce machin-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dr. Crane? On rentre pour procéder au démontage. On s'est suffisamment amusé comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est retrouver la formule du Toxir. Réfléchissons. Si Crane a eu besoin de voler la crocosaure, c'est pour... Pour faire des sales coups. D'accord.
Mais il n'a pas besoin de notre engin pour ça. C'est surtout pour... Le toxine. Exactement. Oui. Quand Crane a quitté le Star, Sir McCook a récupéré la formule et son bec en toxine. Voilà pourquoi il veut retrouver la composition de son métal. Crane pourrait créer une armée invisible au radar. Un simple bout de toxir sur son bec le rendrait lui aussi indétectable. En attendant, son bec est recouvert d'un métal ordinaire. Et donc repérable. Oh, j'envoie un message à tous les agents du Star. Tiens, la fille. Pendant ce temps, va me chercher quelque chose à mettre sous la dent. Message urgent. Nous pensons que le bec de Crane n'est plus en toxir, mais en acier ordinaire. Reçu. Attention, recherchez sur vos détecteurs si vous trouvez un indice. Top. Signé, les crocos. Dans les vents de glace de l'hiver, un message des crocos. Ça fait bien 10 ans que je n'avais pas entendu parler d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, mon détecteur. Par le souffle atrocement froid de l'aiguille percée, l'affreux Crane. Ça doit bien faire dans les 30 ans que je ne suis pas fermé de ce machin-là. Pourvu que ça marche encore. SOS, Croco. Vite, vite! Il faut analyser ce fichu toxir avant que les crocos ne nous retrouvent. Psst! Eric! Tu es là? Bonjour, frère, les amis! Oh, Miss Janet, ça fait bien 15 ans que je vous avais bravé! Crane est là-dessous! Allons-y, on plonge, on lui fait avaler la crocosaure et on la ramène à Sir McMonk. Oh, et si on grignotait une petite fondue au bon fromage avant? Barry, ça suffit, j'ai un plan. Alors voyons, Luminus réchauffé, Cobaltium froid, non glacé, c'est mieux. Oh non, 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 mais ça ne marche pas! Ah oui, c'est ça, bien sûr. Cher Doc, êtes-vous vite? Apportez-moi un bloc que je note la formule, je l'ai enfin retrouvé. Aluminium, oui, combattant réchauffé à 44 degrés et du potassium à passer à la catalyse. Oh, quelle horreur! Ah non, j'ai pris le noir dedans! Maman, mais c'est épouvantable! Oui, où j'ai tremblé, Miss, plus fort que tout le monde. Messieurs les crocos, vous vous prenez pour les cerveaux alors que vous n'êtes que des charlots. Je tiens la formule et personne ne pourra m'empêcher de penser que c'est moi le plus costaud. Oh, je n'aime pas du tout le ton sur lequel il nous parle. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement dingue! Nous allons tous nous noyer! Oh, pas de douche, les amis! Rendez-vous dans 10 ou 15 ans, alors. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur est noyé, ça t'étonne? Oh, Johnny, t'es vraiment un chef. Je ne suis pas un chef, je suis le chef. Oh oui, chef.
Chut, nous sommes coincés. Oh, pas de problème. Non, pas le laser, non. Pourquoi non? Tu m'as dit que ça a marché. Ouais, mais t'as mis la batterie à plat. Non, mais y a pas un truc pour la recharger, la batterie? Si, y a un truc. Ah, super. Hé, Kezako. Eh ben, si tu t'actives, en 2 heures, la batterie elle est rechargée. Accélère, la fille. Nous n'avons que jusqu'à minuit pour amener la crocosaure. Pas là dans une minute, ils seront renvoyés. Non, mais chimpanzé, Miss Janet, où êtes-vous? C'est insupportable à la fin. Je suis ici, sœur MacMonk. Je reviens des archives, sœur. Je suis désolée. Avez-vous des nouvelles, des crocos? Des nouvelles des crocos? Mais enfin, c'est pour ça que je vous cherche. S'ils ne sont pas là dans une minute, je vais les renvoyer, je vais les radier, je vais les répudier, je vais les étrangler. Minuit-moi une, ça devrait aller. Si t'avais pédalé plus vite, on n'en serait pas là. La fille, qu'est-ce que tu fais, t'es dingue? Avec moi, mercenaire! Oui, c'est vraiment un conduit intolérable. Je veux la crocosaure ici, dans mon bureau, dans moins de 10 secondes. C'est non! Et voilà le strike! Nous vous ramenons la crocosaure, sœur. Et la formule secrète du toxir. Pile à l'heure, il n'y a rien à dire sur MacMonk. Oh, décidément, je ne me ferai jamais à vos méthodes. Mais je dois bien avouer que vous êtes les meilleurs agents du Star. Ainsi, le secret de Crane disparaît avec le feu. Comme lui, dans le fond des eaux du lac de Genève. Il n'y aurait pas un petit quelque chose à grignoter parce que je meurs de faim, moi. Bonne nouvelle, Lady MacMonk vous a préparé un bon tisane pour dormir. Raté, oh, je vais les crocos, je les SOS, Croco.